Et coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, les épisodes de la Minecraft Story Mode. J'ai découvert ça quand je suis partie en Suède, j'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai eu une petite présentation et ça avait l'air vraiment vraiment sympa. Donc je me suis dit que ce serait cool de commencer ça avec vous en vidéo. Alors on commence d'abord et on doit choisir une apparence. Donc là j'ai trois petits personnages. Ah, je crois que j'ai cliqué et ça m'a directement validé. D'accord, bon bah c'est parti. Commencer l'épisode 1, donc j'ai mon premier personnage, je ne sais pas à quoi je ressemble, mais c'est parti. Alors, cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites. L'histoire est déterminée par la façon de jouer. Rien de ce qui est construit ne dure éternellement. Et toutes les légendes, même les légendes. Chaque année, de plus en plus de détails se perdent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des mythes. Des semi-vérités, ou disons-le clairement. Des mensonges. To put it simply, ou disons-le clairement, lies. Des mensonges. And yet, in all et pourtant, dans the tout l'univers connu, entre ici et la Terre lointaine, la légende de l'ordre de pierre perdu aujourd'hui encore inéchangée, comme pour mieux attester de la véracité. Indeed, it is only seules les nations en proie au trouble ont besoin de héros. And ours, et la nôtre a eu la chance, voici bien longtemps, de se trouver quatre. Four heroes such as these. Est-ce que je suis un héros? Gabriel, the warrior. Gabriel, le guerrier, dont l'épée faisait trembler tous les combattants. Elegard, l'ingénieur, dont les machines donneraient naissance à une nouvelle ère d'invention. Magnus le roublard, capable de canaliser sa créativité destructive pour aider les autres. Et enfin Soren, l'architecte, bâtisseur du monde et chef de l'ordre de la pierre. These four friends, ensemble, ces quatre amis ne reculèrent devant aucun sacrifice pour devenir de vrais héros. Leur plus grande quête leur imposa de redoutables périples au bout desquels ils affrontèrent une mystérieuse créature connue sous le nom de Dragon de l'Ender. In the end, au bout du compte, l'ordre de la pierre triompha et le dragon fut vaincu. Leur quête accomplie, les quatre amis entrèrent dans la légende. Away into the pages of legend. Yeah. Et nous, on fait quoi là-dedans? Gabriel. Mais quand une histoire s'achève, une autre débute. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies, 100 zombies de la taille d'un poulet, ou 10 poulets de la taille d'un zombie? Just to be clear, you wouldn't have des zombies de la taille d'un poulet, des poulets de la taille d'un zombie, des poulets de la taille d'un zombie. Not because I want to. Pas pour les poulets géants. Non, parce que quand j'ai envie ou parce que je pense. Imagine their giant. Imagine un poulet de la taille de leur petit. Bah, c'est ce que je viens de dire, une abomination. Donc, j'ai un capteur de lumière. Est-ce que comme d'erreur, les lampes devraient. Il est venu avec nous. Really? Oh, le petit cochon, il est trop chou. Of course he is. Quelle question, évidemment. Évidemment qu'il vient avec nous, le petit cochon. But don't you think it's a little weird? Mon petit piggy. Everywhere you go. He kind of makes us look like. Les gens adorent les cochons. Voilà. Regardez-moi la tête qu'il fait derrière. Il a trop envie de venir. C'est mon coéquipier. Ah, c'est une fille. T'as vu cette fille bizarre avec un cochon? Tu trouves pas sa louche? Non. Mais ne le prends pas mal. Je suis contente qu'il vienne. Comme si on allait partir sans mon cochon, quoi. Il est trop chou. I'm getting tired of it. On s'en fiche de ce que les autres pensent, non? I'm tired of being a laughing stock. C'est vrai quoi? Who cares what other people think? I know. I'm just. It wears you down. You say you're not a loser, Olivia. C'est pas minable, Olivia devient une battante. So win. Yes. Okay. Fine. Do you hear that? Tu as entendu ça? Oula, ça, ça sent le creeper. Oh, oh no. Mon Dieu. Ah! Ah! Pauvre cochon. Ah, j'aurais eu la même réaction. Oh, ça doit être mon père, ça. Axel, c'est quoi ton problème? C'était mérité, ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. It's not funny! C'est clair, tu nous as fait super peur, là. Of course I did. Est-ce que t'as pris les feux d'artifice au moins? Nice. Ah, bien. Ruben, a disguise? We're going to a convention. Comment on va à une convention? Oh, trop classe! Mon cochon veut déguiser en dragon. S'il est content, moi aussi. Moi. As long as Ruben is happy, I'm happy. Il a l'air trop content d'être en dragon. Oui. Well, zippity doo-dah. Tu lui m'en diras tant. Okay, relax, it's fine.
You definitely brought the fireworks, c'est sûr, right? Que tu vas au feu d'artifice. Waiting on you guys. See now. Bon, il a l'air d'être prêt. Wingman. Stop. Allez, go. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Ouais, okay. Ouais, on se rejoint en bas. À tout de suite. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a un coffre. Bannière. Allez, on regarde le coffre. Cheers. Des grands ciseaux, je les prends, on sait jamais. Never know when I might need. C'est vrai, si on croise un mouton. Ma petite bannière. Allez, Gabriel, c'est mon héros. You think we'll ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. C'est vrai, en plus on a pas mal d'affiches. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Je prends toutes les affiches ou pas? Porte-armure. J'ai reçu ce présentoir en cadeau, mais je n'ai pas d'armure à mettre dessus. Un jour peut-être. Bien sûr que tu auras une armure un jour, ma belle. Ruben, évidemment. Give me a dragon war, Ruben. Rugis comme un dragon, Ruben. Oh, beaucoup trop mignon. That'll do, Ruben. Ça ira, Ruben, ça ira. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je sais pas trop ce qu'on peut prendre là. Je crois qu'on a fait un peu le tour, hein, des choses de la maison. On va retourner vers la bannière. C'est une magnifique poire. On va finir par gagner le concours de construction de l'Eder. Cool. Quand je reviendrai, les gens se retourneront et diront « Hey, c'est Jess et Ruben, les gagnants du concours de construction !» Vraiment, qu'ils changent leur nom. Bon, ben voilà. Hein. Coffre ici. On a déjà pris une paire de ciseaux, un silex et de l'acier. C'est pas mal. La trappe. Allez, dans la trappe. Un, deux. Ah, je pensais que ce serait un peu plus violent au niveau du saut. On descend gentiment, mais ça c'est totalement moi, ça. Très prudente, on y va tranquille. Allez, en route. Allons-y. J'ai entendu une rumeur croustillante à propos du concours de construction, mais vous devez me promettre de rien dire. Ok. Ok, on dira rien. C'est en deux parties, et la deuxième est encore plus passionnante. Allez, crache le morceau. Première partie, c'est l'année l'invité spécial de Blender Cool, n'est autre que Gabriel. Oh, Gabriel sera là-bas. Part two. Et la deuxième partie. Deuxième partie, d'après mes sources, le gagnant du concours a l'honneur de le rencontrer. Waouh. Alors nous, comme c'est un peu... J'aimerais bien... Que les autres soient tous là, et alors la belle affaire, j'adorerais rencontrer Gabriel. Ce serait un rêve et un honneur. Ouais. Ruben better be careful. Ruben a intérêt à faire attention d'exister comme ça. La dernière fois que Gabriel a vu un dragon, ça s'est mal fini. Oh, tout de suite. Oui, mais là c'est un gentil dragon, c'est un bébé dragon. Et ta source, elle fait quoi dans la vie? Les affiches. Oh. Ma source n'existe pas, mais celle de mes amis. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. Restons concentrés. On a un concours à gagner. We never win. Parce que là, j'avoue que les affiches, c'est chaud dans la forêt. We basically have no chance. Non, mais cette fois, on va gagner. J'ai confiance. Ouais, et confiance, Olivia. Faut la rebooster un petit peu là, parce qu'elle est déjà démoralisée alors qu'on n'est pas encore arrivé au concours. Au moins un peu, à peine une once, un peu de confiance. Voilà ce qu'il faut. Et puis j'ai faim de victoire. Ouais, on va gagner. Mon petit cochon l'a fait quick. Hé, pas si vite. On s'y est mal pris. Le but de cette compétition n'est pas la construction en soi. On construit quelque chose pour se faire remarquer par les juges. Ok, then. Bon. Comment on procède alors? Ne nous contentons pas de construire un truc fonctionnel, construisons un truc marrant. Lorsque nous aurons terminé la machine à feu d'artifice, comme prévu, nous y ajouterons quelque chose de marrant. Un Enderman, ce serait pas mieux? Moi, les Endermans font peur. Plus peur que les Creepers. Pourquoi pas un zombie? Un Creeper. Un Creeper! D'accord, on va pour le Creeper. Allez, moi je suis d'accord. Tu me soutiens sur ce coup-là? Oui, je te soutiens. Un Creeper, c'est cool. Ça fait boum.
Oui, je crois bien que c'est la première fois que nous avons décidé que nous allions faire ça avant d'arriver au concours. Vous croyez à tout ça? Ça serait pas mal d'en apprendre un peu. Ok, c'est parti. On est tellement prêts, on ne peut pas perdre. Qu'ils viennent tous. Yeah. Allez, à 3. Paré à gagner? Non, prêt à tout. Burke, c'est nul. Ou plutôt, vive l'équipe. 1, 2, 3. Vive l'équipe! Ok, c'est parti. Alors. Eh, me regarde pas comme ça, cochon. Je fais ce que je peux, là. Je suis en train de faire des pompes, là. Ah. Ok, c'est reparti. Oh là 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 là. Comment je casse tout? J'ai pris du sable. J'ai dansé avec les poulpes. J'ai refait du sport. Oh là là, ce sport, ce sport. Ah non, mais ça, je suis pas capable de le faire par contre, hein. Encore moins avec un cochon sur le dos. Allez, sprint, 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 sprint! 1, 2, 3, 4. Oh là là là, quel entraînement intensif! Allez, on continue de casser, on récupère des blocs, on s'entraîne, on taille du moutmout. Bah si avec ça on n'est pas prêt. Tous pour l'équipe. Yeah. Excellent. We know what we're building. Bon. Got all the stuff. On sait ce qu'on va construire et on a ce qu'il faut. On est carrément super prêt. Cette année ce sera différent. Je suis pas la seule prête à construire, mais aussi à gagner. Nice pig. Chouette cochon le minable. Oh great. Bon, il y a beaucoup de monde. Oh, génial, voilà Lucas et les osselets. On a de la concurrence. Man, they've got matching jackets. Ils ont tous le même blouse en cuir. So cool. Qu'est-ce que c'est cool. Well, well, well. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est l'ordre des minables. Super l'équipe, dis-moi que rien là. Lucas, let's go, vous êtes des losers. C'est pas parce que vous avez le même blouson que ça y est. Axel, and, how do you do? Axel, comment allez-vous? No, your team name. Non, le nom de votre équipe. Team name? Ah. We are not ready for this. On n'a pas de nom de team. So much for losing anonymously. L'ordre du cochon. Really? Is it meant to tie us to Reuben? Non. On a l'ordre du côté. Ok, va pour l'ordre du cochon. Vous avez le box 5. Merci. L'ordre du cochon. Je sais pas, j'avais pas d'inspiration là. On a déjà la tête de la honte et de la défaite là. On a intérêt à s'accrocher. Hein. Box 5, c'est là-bas. On n'a pas beaucoup de place en plus. Et là-dedans, on va devoir faire un creeper, c'est ça? They have a freaking beacon. Une balise, vous vous rendez compte? Beacon. Stained glass. Ouais. On n'a pas de balise. J'avoue qu'ils ont l'air d'avoir du matériel carrément plus stylé que nous. Notre idée est vachement plus cool. Une balise, c'est une super idée. Non, notre idée est beaucoup plus cool. On graille sur le creeper. Un creeper qui lance des boules de feu et des feux d'artifice. C'est nice. Il explose, mais il explose en feu d'artifice. Moi, je suis sûr on va gagner. On a quelque chose qui ne manque pas. Feu. We should probably stop staring at them. Ah ah ah. Regarde, c'est encore l'ordre des minables. Elle est bien bonne, Jill. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at. Vous avez tout le temps de nous regarder. On va gagner et notre chef-d'œuvre sera montré à l'Endercon. You're being unpleasant. Tu deviens désagréable. Enfin. Endercon doesn't allow. On n'a pas le droit d'amener à boire et à manger. I'm talking about your pig. Qu'est-ce qu'on lui dit? You're saying he's food. Laisse-le tranquille. You really shouldn't mess with Ruben. Il vaut mieux éviter d'énerver Ruben. C'est un cochon méchant. Keep talking and find out. Continue comme ça, tu verras. Stop wasting your time, Aiden. Ne perds pas ton temps avec Aiden. On a du boulot. Pff, en plus, eux, ils sont limite 12, quoi. C'est de la triche, on est que 3. Hey, bon, on a un cochon. Guys. Ah. Hey, Petra. How's Salut, Petra. Oh, elle est avec nous. L'avenir le dira, mais on est optimiste. Hey, Petra. Ouais. Petra, j'ai oublié de te remercier pour l'étoile du tréfonds. Hey, Lucas. Pas de problème, Lucas. Help these tools? For the right price, I'll help anyone. Ok. If you need anything, you know where to find me. Ok, elle est pas avec nous en fait. Elle nous dit juste qu'elle peut récupérer des affaires pour nous.
No hard feelings, guys. And if you're cool with Petra, you're cool with us. Si vous entendez bien avec Petra, alors on va s'entendre. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are. Ouais, que le meilleur gagne. On reste fair play, nous. Careful what you wish for. Attention à ce que tu dis. Ouais, on verra bien. Allez. Ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, bienvenue à la grand concours de construction. Cette année, nos vainqueurs auront l'insigne, l'honneur de voir leur création présentée à l'Endercon, mais aussi de rencontrer Gabriel, le guerrier, en personne. Non, il nous faut. Oslo! Ouais, Oslo. Ben nous, c'est la Ligue des Cochons. Bon, peut-être pas le crier, mais... Tout ce qu'on a... La main du guerrier, le coup de redstone... La main du guerrier, on va être des guerriers. Ils sont pas trop motivés. And just like that, ça y est, je commence à stresser. Non, c'est pas le moment, pas de ça. On va y arriver, ok? On se tient au plan et tout se passera bien. Cette année, l'ordre du cochon ne peut pas perdre. L'ordre du cochon. Oh, il est trop chaud. Non mais attends, on n'a pas emmené notre cochon pour rien. Je veux dire, c'est notre cochon porte-bonheur. Allez bébé dragon, courage. Ok, c'est parti. J'espère que ça va le faire. Un lanceur de feu d'artifice, maman, j'ai peur. Ils sont méchants. C'est clair. Chacun s'occupe de son truc, là. J'espère que ça va le faire. Pour l'instant, ça ressemble pas trop à un creeper, j'ai un peu peur, là. Ah si, c'est bon. Ils sont en train de le transformer en creeper. Ça va être trop beau. Je suis sûre que ça va le faire. Franchement, on va gérer. Et les voisins, c'est quoi? Les voisins? C'est quoi? C'est un lanceur de feu d'artifice aussi? Ça va le faire. Non, franchement, ça va le faire. Et maintenant, l'instant de vérité. Allez. Here goes nothing. Vous avez géré, c'est parti. Oh, c'est beau. Oh, man, that looks so cool. La vache, qu'est-ce que c'est cool. On va gagner, c'est sûr. Le creeper était le bon choix, pas de doute. Ah, les gens viennent voir et tout. Il est trop beau, notre creeper. Guys. Les amis, on nous regarde. Good build, man. Je suis pas de construction, camarade. What? Hein? C'est pas possible. C'est juste un tas de laine teinte. Qu'est-ce qu'il va faire? Whoops. Oh non! Le cochon! Oh, Ruben's on fire! Ruben! No! Come back! Génial. The lava's getting closer. Oh, mais quel... Ruben's going to get lost. Entre le cochon qui va se perdre plus l'autre, aidez-moi à retrouver Ruben. Non, moi je protège pas la machine, je vais chercher mon cochon. Attends, c'est un être vivant, c'est mon bébé. La machine, débrouillez-vous pour la machine, mais... De toute façon, tout le monde l'a vu, la machine, donc même si elle est détruite, c'est pas grave, mais on peut pas laisser Ruben brûler quand même. La machine, elle va brûler, je le sens, on va perdre. I don't see him anywhere. Oh, je vois nulle part Ruben, où es-tu? The sun's going down. We gotta find him. La nuit tombe, il faut retourner au plus vite. Il a pu partir n'importe où à cette partie de la forêt immense. On a plus de chances de le retrouver si on se sépare. On prend tous des chemins différents. On va retrouver Ruben. Le premier qu'il trouve crie très très fort, cochon. Voilà, comme ça au moins. Ruben, where are you? Où es-tu? Grogne si tu m'entends. Give me an oink if you can hear me. Non mais là il a eu le temps de brûler s'il fait nuit hein. Traces de sabots. Pig tracks. Des traces de cochon. Il est passé par là. Comment on le retrouve là? Chaîne, regardez. Clic droit pour appeler. Ruben, où es-tu mon gros? Dis bonjour à maman. Qu'est-ce qui se passe? Il est là? Non. On va pas le trouver. Non, les traces de cochon étaient de l'autre côté, peut-être là-bas. Il y a de la fumée. Could that be Ruben? Comment on va faire? J'ai l'impression qu'on peut pas aller de l'autre côté. Alors, on va passer par la cheminée parce que là, on peut être n'importe où. Vas-y. Il faut qu'on suive la fumée. He must have run by here. Il a dû s'enfuir par ici. Oh, la forêt qui va prendre feu. Oh mon dieu. Arbre en feu. Ruben, where are you, buddy? Hmm.
Donc ça crame. Some pigs. Je l'entends, je crois, non? J'ai entendu un petit couinement. Oh! Reuben? Are you in there? Est-ce que tu es avec tes copains cochons? Il y a encore des traces de sabots, ça doit être par là. Non, il est pas là. On va regarder ça. Par où c'est passé? Ah, il y a deux traces. Ah là là, il y en a plein. Ah, oh, il y a des traces de sabots partout. Massif, fouillé. Ah, je vais fouiller là. On sait jamais, il s'est peut-être caché. Oh! Un poulet. Ah! Fallait pas qu'elle crie. Ruben, mon petit cochon, où es-tu? Allez, montre-toi, mon cochon. Ruben. Ruben. On va se faire attaquer par des creepers pendant la nuit, ça va être génial. C'est pas cool de se balader comme ça en pleine nuit. Can you hear me, boy? Tu m'entends? Oh, il est là, il est là. Costume incendié. Oh, on y Ruben, est presque. Ruben! Oh no. You in there, buddy? Soulevé. Oh, jeez. Oh, piste qu'il soit pas dessous. Ouf, c'est bon. C'est que le costume. Ok. J'ai eu peur, là. À tous les coups, il est dans la grotte. Il est parti se réfugier, non? Oh là là, c'est sombre. Oh, j'ai peur. On est obligé d'aller là-dedans? Oh, Ruben. Trou noir, regardez. Qu'est-ce qu'on regarde dans le trou noir? Il y a rien. Oh mon dieu! Une araignée. Ok, c'est pas par là. Ruben! Petit cochon. Ouais, on ressort de là. Ah, il allait loin. Ça bouge là, dans les feuillages, non? Mon bébé. Je suis sûre qu'il est là. Bébé. Allez, on va fouiller. Je le sens bien là. Mon petit cochon. Oh, bébé. C'est lui. Ruben. Ah, je suis contente de te voir. So happy to see you. Allez, on s'en va d'ici. Ruben s'en souviendra, bah tu m'étonnes. Oula. Ça y est, j'en étais sûre. Des zombies. The Walking Dead. Ok, ok, ok. Je te prends dans mes bras. Ok, bah cours. Cours, 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 mon chouchou. Purée, c'est... la nuit, c'est pas cool, hein. Oh, les pires. J'en étais sûre, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Absolument qu'on arrive à rentrer. Oh là là, des squelettes. Allez, 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 on fuit, on fuit. Aïe, j'ai été touchée. Oh là 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 là. Il faut qu'on retrouve l'équipe là. Dans le chachaminou. Bats-toi. Allez. Espèce de sale bête. Éloigne-toi. Reste derrière moi, Ruben. Ça va bien se passer. J'ai l'habitude de ce genre d'animaux. Allez, boum, next. Ça va pas le faire, Ruben. Ok, ok, il y en a encore trois. Aïe, m'a fait mal, m'a touché. Allez, disparaissez. Oust, hors de ma vue. Bête sauvage. Oh, j'ai cassé mon épée. Oh, la loose. Génial l'épée en bois, génial. Il est vraiment temps que les amis reviennent là. Courage mon petit cochon, courage. Oh mon dieu, mais non, mais non, mais toujours plus. Je sais que ça va mal. Cours, je vais les occuper. Reste près de moi, je te protège. Non, non, je te protège, je te protège. Je te laisserai pas mon cochon. On va pas se reséparer, sinon on va se reperdre. Ok. Oh non, non Ruben. Oh mon bébé, ok ok, cours, cours, cours. Oh, j'aurais dû lui dire de courir. Oh mon dieu. Ok, on est pas bien, on est pas bien. Lâche-moi, sale bête. Saloperie. Allez, vire. Oh là
là. Ah ouais, mais la nuit c'est trop dangereux, en plus j'ai plus d'épée. Ah, merci. Cool. Come on, let's get out of the open. Allez, viens, ne restons pas à découvert. Oh, elle m'a sauvée. Cool, on a récupéré un peu de toile d'araignée. Elle avait une cabane. Eh ben, là, on lui doit quelque chose, là. I want to show you something. J'ai quelque chose à te montrer. Not that this isn't tout ce que tu veux. Cool. C'est plutôt cool si tu aimes les tunnels sombres et humides, mais tu peux m'emmener loin comme ça. Oh, le pauvre, il a un petit coquard. Fais gaffe, Jess. Je ne peux pas passer pour une mauviette. Ce n'est pas la première fois que j'entre dans une grotte, Petra. Yeah, but have oui, you mais... seen est-ce que tu as déjà vu skull? Un crâne de Winter? Fresh from wow the en direct du tréfonds. You're the first person I've showed tu es dans les tréfonds? You risk your life for that dusty old tu as risqué ta vie pour ce vieux crâne poussiéreux? I risk my life non, j'ai risqué ma vie pour ce truc que je vais échanger contre de vieux crânes poussiéreux. There's this guy okay I'm meeting up with at Endercon. Tu vas rencontrer un type à l'Endercon. Il va me donner un diamant en échange du crâne. Being the resident go-getter pays off every once in a while. Literally. Is a wither skull worth that much? Beaucoup un diamant? Are you kidding? Tu plaisantes? For all the trouble I had to go to get it. Vu tous les soucis que j'ai rencontrés pour l'avoir, je devrais demander beaucoup. Wow. 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 What? Quoi? In a single day. Bah, en une seule journée, tu es allé au tréfonds et tu as un squelette de wither. I mean. Wow, j'ai construit une statue super cool, d'accord, mais ça doit vraiment pas être top. Ça doit vraiment être cool d'être toi, non? You know, you could come with me. Tu pourrais m'accompagner. Oh. I mean, if you're too mais bon, nervous, si tu as peur, totally je comprends. Get, but I wouldn't mind a little backup. Avec plaisir. You want me to come with you. Quoi? Consider tu veux quoi de moi? Disons que c'est ma bonne action du jour. I'll consider it whatever you want si tu veux, du moment que je peux venir. So long as I get to come. C'est un peu risqué, mais bon. Comes in handy. Since that wooden sword of yours, puisque ton épée en bois a été détruite, tu m'en donnes une nouvelle. Encore mieux. Tu peux t'en fabriquer une. One stick plus two un bâton, deux pierres, et voilà une épée. One sword. Classe. Ok. Du coup, on va faire une petite épée. Just grab what you need. Prends ce qu'il te faut. Okay. Ok. Merci. Thanks. Non, parce que notre vieille épée en poids, merci quoi. No, we're just stealing from on vole pas des trucs à l'idiot qui t'a laissé là. Évidemment que c'est à moi. Just making sure. C'est juste pour savoir. Here we go. Et ben voilà, jackpot. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parti pour la table de craft. Just place the pieces on the table. Come on, Jesse. We don't have all night. Yeah? Et mon bout de pierre, s'il vous plaît. Classe. See, t'as vu mon cochon comme elle est belle? You make it yourself. C'est mieux quand on l'a fait soi-même, non? Par contre, ouais. Vu comme je me suis battue tout à l'heure, j'ai un peu peur quand même d'aller dans une grotte super profonde pour aller me battre encore. Endercon's all lit up. Regarde Endercon. Oh, wow, man. Ça a l'air magnifique. Looks like Lucas on dirait que Lucas et Oslo ont encore gagné. Sorry, Jesse. Désolée, Jess. But you've mais got tu admettras que cette belle a vraiment de l'allure. Pretty sweet. Yeah, yeah. Ouais, ouais. I just wanted this to mais be cette année, je voulais combattre enfin ce minable. You know, Lucas tu sais, Lucas, kind of arrogant, peut-être quelqu'un d'arrogant, mais il m'a déjà aidé dans plusieurs situations difficiles. Might want to get to know tu devrais sans doute apprendre à le connaître. Just in case. Au cas où. He's good at building, that's for sure. It's always useful to have a guy like that around. Olivier Essel, tu as peut-être raison, aucune chance. You might think of him personally. Not a chance. Aucune chance. Hey, je vois que la bataille du tout à l'air a fait son effet. Mais réfléchissons. Okay. Come on, let's hurry. Allez, perdons pas de temps. What Endercon was like before. Tu te souviens de l'Endercon cool avant que ce soit à la mode? What we were like et tu te souviens de nous avant qu'on soit à la mode? Some of us will never be cool. Certains d'entre nous ne seront pas. Oh. Creepers. Des creepers. Il va falloir qu'on se batte. Et voilà pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour faire un petit résumé, nous avons donc aujourd'hui été avec deux amis ou deux personnes de notre famille pour participer à un grand concours et essayer de gagner. Malheureusement, nos entre guillemets ennemis ont mis le feu à leur construction. On fait une sorte de petite crise de jalousie qui a détruit la nôtre et qui a aussi endommagé notre petit cochon. Et quand j'ai vu mon cochon grillé, mon cochon grillé entre guillemets,
J'ai préféré aller sauver mon cochon plutôt que de rester pour protéger la création qu'on venait de faire, parce que pour moi c'est un être vivant, et puis ça a l'air d'être un petit peu notre meilleur ami, donc je suis partie pour le sauver. J'ai réussi à le sauver même s'il a été blessé, et sur la route j'ai rencontré une fille plutôt cool qu'on avait déjà croisée quand on était au concours, et qui a l'air de vouloir m'apprendre quelques petites choses, et qui m'a déjà aidé à forger une épée, donc on verra la suite dans le prochain épisode. Là on est en train de se faire attaquer, donc j'espère qu'on va survivre. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this.